hier, Eric, Colette et Théo nous ont rejoints depuis la Creuse et Saint-Chabray et sont arrivés en fin de matinée. Au programme aujourd'hui, nous allons visiter la villa Arnaga d'Edmond Rostand à Cambeau-les-Bains. Elle fut édifiée sur demande de l'écrivain entre 1903 et 1906. Cette vaste demeure, de style néo-basque qui s'inspire des fermes de la région, avec un jardin à la française côté est et un jardin à l'anglaise côté ouest, s'étend sur 15 hectares. Edmond Rostand l'a pensée dans les moindres détails. Sa construction a été confiée au grand architecte Albert Tournaire, à qui l'on doit la villa effroussie de Rothschild de Saint-Jean-Cap-Ferrat, que nous avions visitée en 2017 lors de nos vacances à Mandelieu. Depuis 1897, l'écrivain et dramaturge jouit d'une grande notoriété depuis le succès de Cyrano de Bergerac. 3 ans plus tard, celui de L'Aiglon conforte son aura. C'est pendant la représentation de la pièce qu'il contracte une pleurésie. Il se rend alors à Cambeau-les-Bains, au Pays Basque, et décide de s'y installer avec sa femme, la poétesse Rosemonde Gérard, et leurs 2 fils, Marcel l'aîné, et Jean, le plus jeune. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses nous en sommes en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes pour tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous patinez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe et les fantômes camélos, dit avoir sous le front tant de chair, sous tant d'os. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur, quel enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Militaire, pointé contre cavalerie! Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrrhin en un sanglot, le voilà dont ce nez qui détrait de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Thank you.
C'est lors d'une promenade à cheval qu'il repère le terrain où sera bâtie la future villa Arnaga. Elle comportera 40 pièces, avec des installations avant-gardistes pour l'époque, comme l'eau chaude à tous les étages, le chauffage électrique ou encore l'hydrothérapie. Edmond Rostand décédera le 2 décembre 1918 de la grippe espagnole. Il avait 50 ans. Sur le chemin du retour, on s'arrête à Espelette, célèbre dans le monde entier pour son fameux piment, Espeletako bipera en basque. Il est cultivé dans 10 communes alentour et bénéficie d'une appellation d'origine protégée. Pas plus fort que le poivre, il est utilisé depuis 5 siècles dans la cuisine basque. Je pense qu'il faut un peu de piment dans la vie. Non, non, tant qu'ils ne sont pas trop forts, ça va. Si les croisés partent, ça va. On va en prendre 3. Parce que ça éclaire. Oui, il faut mettre du piment dans sa vie. On repart avec nos petits pots de piment ainsi que nos tagliatelles aromatisées. Eric a également acheté une bouteille de vin liquoreux blanc appelé le pipi de Potok. Alors, comme souvenir d'Espelette, j'ai acheté du pipi de Potok puisque visiblement ils recyclent comme ils peuvent l'urine de cheval basque, de poney. Donc c'est à la fleur de sureau, c'est très bon. Surtout après avoir goûté les deux autres, j'ai pu apprécier les qualités gustatives de ce produit du terroir. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne dégustation. Ce soir, on dîne au restaurant du camping devant la finale de l'Euro 2021, Italie-Angleterre. Et les choses ne traînent pas. L'Angleterre ouvre en effet la marque dès la 2e minute et douche quelque peu l'ambiance et l'assistance où quelques Italiens ont pris place. Mais la squadra azzurra parvient à égaliser par Leonardo Bonucci. Malgré le temps additionnel, le score en restera là et il y aura des prolongations. La séance de tir au but est inévitable et va tourner en faveur de l'Italie. 3 Anglais loupent en effet leur pénalty, et la nationale est sacrée 53 ans après son dernier titre de 1968. Dans le restaurant, la petite colonie italienne exulte, et nous aussi.
chef. Pommes de terre, graisse de canard, très bon pour l'équilibre. Un petit rosé de Provence. Deux beaux enfants et un photographe que, hélas, on ne voit jamais. Jamais, jamais. Le temps est nuageux aujourd'hui. Je propose à Eric et Colette d'aller visiter cet après-midi Saint-Jean-de-Luz. On remonte par le port où nous nous garons et passons devant la belle fresque du marché aux poissons. Elle a été réalisée en 2011 par trois artistes bretons et peinte en direct sur le port de Vannes. Elle se veut le témoignage de l'amitié entre marins bretons et marins basques. On se balade sur le front de mer, très souvent vanté. On emprunte ensuite la rue piétonne principale, très fréquentée. Le Pays basque est aussi une terre de gastronomie. Saint-Jean-de-Luz regorge de petites boutiques où l'on vend les spécialités de la région, à commencer par le piment d'Espelette et le fameux jambon de Bayonne. Ici, des gâteaux basques appelés Etxeko Bitxotxa, qui signifie littéralement gâteau de la maison. L'après-midi est passé vite, il est déjà près de 20h lorsqu'on reprend la voiture, non sans avoir immortalisé cette belle balade par un selfie. Bayonne, ville aux deux fleuves, ville parfaite, écrivait Roland Barthes. Entre Nive et Adour, la capitale du Labour, l'une des trois provinces du Pays basque français, avec la Soule et la Basse-Navarre, constitue notre destination aujourd'hui. Avec ses deux flèches de 80 mètres de hauteur, la cathédrale Sainte-Marie a fière allure. Ses vitraux des 15e et 16e siècles racontent des scènes de la Genèse et de la Bible. La nef, composée quant à elle de sept tracés à trois étages, présente à la croisée des ogives des clés de voûte armoriées reproduisant les armes de France, la fleur de lys et d'Angleterre, les trois lions. On entre désormais dans le Petit Bayonne. Eric a acheté un béret basque dans une petite boutique près de la cathédrale. Du pont Mailloux, la vue offre une belle perspective sur les maisons à arceaux alignés le long des quais. On peut remarquer l'extrême étroitesse des demeures construites sur des parcelles de 4 mètres de largeur. Il est midi, on fait une pause déjeuner sur les quais de la Nive, au Pitaya, autour d'un wok thaïlandais. Bon appétit! Yeah.
On visite ensuite le musée basque et de l'histoire de Bayonne, une vaste demeure du XVIe siècle qui appartenait, jadis, à un riche commerçant. Ce musée présente une grande variété de collections, à la fois historiques, culturelles et ethnographiques. Cela va du quotidien des rites funéraires et des sépultures basques, aux travaux des champs à la campagne, en passant par les métiers d'antan et les objets du quotidien. La peinture et l'art occupent une place centrale. Les peintres qui ont peint sur le Pays basque, sa culture, ses habitants et ses paysages ont pour nom Sonneville, Ramiro, Arouet, Tobin et Rogano. La pelote basque, un incontournable qui est décliné à travers une remarquable collection de vêtements, à commencer par le fameux béret basque de préférence noire, mais aussi plus coloré. Près de 2000 objets et tableaux sont dispersés sur 4000 mètres carrés et 3 étages. Le temps est toujours aussi couvert aujourd'hui. La grande plage d'Andaye fait penser à Deauville en hiver, sans les écharpes. La ville, qui compte 15 000 habitants, est située juste en face d'Ondarribia, ou Fontarabie en français. C'est la dernière ville côtière française avant l'Espagne. Blottie à l'estuaire de la Bidassoa, dans la baie de Tchingoudi, elle offre la plus longue plage du Pays basque. Je ne fais qu'une librairie par jour, c'est promis. T'as acheté hier ? C'était Henri Pichette, les Épiphanies. Ça c'est les collections pas bien chères. Bibliothèque du temps présent, édition de la table ronde. Je suis interdit d'entrer, donc...
soirée, on assiste au feu d'artifice de Guétari. En ce 14 juillet, jour de fête nationale, ce sont pas moins de 7 feux d'artifice simultanés qui sont tirés sur la côte basque. Direction le col de la Rune aujourd'hui, par le train à crémaillère. Il est 14h50 lorsqu'il entre en gare de Saint-Ignace, sur la commune de Sarre. Et c'est parti pour 35 minutes de montée, à bord d'un train serpentant à 9 km/h, à travers un somptueux décor composé de prés et de collines verdoyantes. La construction de ce chemin de fer, très touristique au Pays Basque, remonte au début du XXe siècle. Cette ligne à voie métrique a été inaugurée en 1924. Hormis pendant la Seconde Guerre mondiale, où la ligne est réquisitionnée par les Allemands, le site a toujours attiré de nombreux touristes. Le col de la Rune est situé parfaitement sur la ligne de partage entre la France et l'Espagne. On peut apercevoir au fil des paysages qui défilent sous nos yeux les fameux potiocs, de petits chevaux basques sauvages qui paissent tranquillement sur les pentes abruptes. À notre arrivée, le brouillard nous accueille, on est saisi par une fraîcheur soudaine. Il fait à peine 11 degrés en effet. L'émetteur de télévision de la RTF, la radio-télévision française, semble comme enveloppé par un épais rideau de brume gris clair. Pour se réconforter, on prend un bon chocolat chaud et une brioche dans l'un des restaurants. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Là, c'est la Finlande. On va admirer ce soir le coucher de soleil sur la plage de Senitz. Le premier depuis presque 15 jours.
dernière soirée, on se fait un pique-nique à Bidar, face à la mer, sur le belvédère que l'on avait repéré lors de notre première visite, qui se situe à côté d'une petite chapelle avec vue imprenable sur la baie de Saint-Jean-de-Luz et l'Espagne. Et bien voilà, c'est terminé, c'est notre dernière soirée au Pays Basque. Nous avons décidé avec Johanna en fait de faire un petit pique-nique en face de l'océan pour ce dernier soir, juste avant d'assister à une démonstration de pelote basque tout à l'heure. On est à Bidar, nous étions déjà venus visiter ce petit village typique accolé à Saint-Jean-de-Luz la semaine dernière. On avait bien aimé. Le temps n'était pas franchement de la partie. Là, ce soir, il fait bien meilleur. Il y a un joli soleil qui, en fait, caresse l'océan et produit une espèce d'effet argenté sur les vagues de l'eau. C'est très joli. Et donc, nous bouclons notre séjour. Voilà, 2 semaines bien remplies. On a fait beaucoup de choses. On s'est beaucoup baladé, on a pas mal respecté notre programme, il faut le dire quand même. Alors qu'est-ce qu'on a fait, Johanna, si on énumère en fait, hein, dans le désordre hein. On a fait la journée à... Comment je vais pas le dire ? La Villa Arnaga peut-être, tu on veux dire ? On a fait Espelette déjà. Ouais, Espelette. Et oui, la Villa Arnaga, dès le même instant. Alors c'était le même jour justement, donc ça c'est à Cambo-les-Bains. C'est donc dimanche de la deuxième semaine en fait, lorsque Colette, Théo et Eric sont arrivés. Et nous avons donc visité, comme tu as dit, la très belle villa d'Edmond Rostand et de sa femme, Rosemonde. Et puis on s'est arrêté à Espelette ensuite. Alors on a fait quoi d'autre ? On a acheté du piment, évidemment, bien sûr. Le lendemain, on est allé à... À Bayonne ? Ah oui, à Bayonne. On a fait Bayonne. Alors Bayonne, un petit peu sous la grisaille, mais en tout cas, on a passé là encore une très belle journée. On a visité une ville très touristique, vraiment prise d'assaut par les estivants durant les périodes de vacances. Encore là, il n'y avait pas trop de monde apparemment, mais c'était quand même déjà pas mal. On s'est baladé dans la vieille ville, notamment on a visité le petit Bayonne, qui est très typique le long des Clayes de la Nive, et puis aussi la cathédrale Sainte-Marie. Nous sommes allés à Biarritz donc la première semaine, là sous la grisaille vraiment, il pleuvait même, il faisait assez frais. On a fait quoi ? Hier, qu'est-ce qu'on a fait ? Hier, on a fait quoi ? Une très belle ascension, jusqu'au sommet. Ah oui, le train de la Rune. On était à 800 mètres. Ouais, 905 même, 905, j'ai vu. Oui. 905 mètres d'altitude. C'est le point culminant du Pays Basque, en fait, le col de la Rune, qui se situe vraiment sur la ligne de partage entre la France et l'Espagne. Mmh. Puisque même... Le ticket de caisse, il était en Espagne. Oui, on était surpris, voilà, tu l'as dit. Et puis aussi, les employés parlaient espagnol. En tout cas, c'était une très belle ascension, d'environ une grosse demi-heure, à 9 km/h. Nous avons... cheminer à travers des pâturages où nous avons aperçu les fameux potiocs, les petits chevaux basques. Et puis voilà, il y avait de très jolies collines aussi, très belles couleurs entre le contraste du blanc de la roche et du vert des arbres, de la végétation. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore ? On a encore fait d'autres choses. On s'est baigné, évidemment. On s'est baigné à la plage de Sénitz, qui est à côté du camping, sur la commune de Guétari. Piscine, pour notre dernier jour cet après-midi. Et puis, nous avons fait aussi Saint-Jean-de-Luz de centre-ville, évidemment. Est-il utile de le rappeler quand même, avec son joli petit port... qui était avant une place forte de la conserverie et de l'industrie tonnière. Alors ça, c'était il y a longtemps, hein, dans les années 50-60. Et puis, c'est à peu près tout. On a à peu près résumé, on n'a rien oublié hein, je crois pas. Je crois que c'est à peu près tout. On a fait le tour. Voilà, bah écoutez, on vous souhaite en tout cas
une très bonne continuation. On espère que vous avez beaucoup aimé ce visionnage. En tout cas, nous, on a passé des super vacances au Pays Basque, un endroit typique où on porte le béret, ou pas, c'est au choix. Où on mange du piment d'Espelette, ou pas, c'est au choix. Voilà, en tout cas, on a passé un très bon moment. Et puis, bah, même si le temps n'était vraiment pas de la partie, il a quand même beaucoup plu, il fait assez frais. Et ben, c'était quand même bien, parce que les 3 jours ou 4 jours, allez, on va dire, de soleil, eh bien, on compensait le reste. Voilà, à bientôt. Bye bye. On descend ensuite vers le stade de Pelotte pour assister à une partie de Grand Chistera. Eric, Colette et Théo nous ont rejoints. La démonstration débute par les enfants du club qui nous offrent une belle partie. La pelote basque regroupe 4 disciplines que sont le gant de cuir, à main nue, la plus ancienne, la chistera et enfin la pala. Les règles consistent à renvoyer la balle sur un fronton sans sortir des limites du terrain. Un rebond est autorisé et les joueurs s'affrontent par équipe de 3 contre 3, sans mi-temps et en 40 points. On se rend vite compte du côté spectaculaire, de l'adresse nécessaire, en même temps que de la force pour renvoyer une balle qui peut parfois s'élever à 20 mètres de hauteur et filer à près de 300 km/h. Vient maintenant le tour des adultes de faire une démonstration. On profite pleinement de cette dernière soirée, car demain, c'est le départ. Nous garderons du Pays Basque un souvenir fort, malgré une météo quelque peu capricieuse. C'est pas mal. Voilà, bah écoute, oui, je me suis longuement entraîné au golf de Bouzon, en golf international, voilà, parce que bon, je vais être prêt pour le Euromaster. Je suis assez d'accord avec ça. Oh!
quel maître. Mais tu prends une vidéo. Jean Lebon. Yves Lebon. Yves Lebon. Oui. Bravo Cousin. 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 Cousin.